Et bonjour tout le monde, donc me voici pour un épisode 3 sur Prison Architecte. Donc dans 5h49 minutes dans le jeu, nous recevrons nos premiers... comment ça s'appelle? Prisonniers. Là j'ai le comptable que j'ai débloqué, donc je vais pouvoir me le payer. Une petite comptable. Hop là. Merde. Je peux pas toujours pas l'utiliser, pourquoi? Bon. Bon bah non en fait, pas pour l'instant. Donc on va attendre nos premiers prisonniers demain matin. C'est quoi ce budget? Employé, détenu, tâche, régime. Qualité des repas moyens, variété des repas moyens, coût par détenu. Prêt. Ok, bon. Bon, on va accélérer le temps. On va laisser arriver les détenus. Prochaine chose que je fais, c'est que je construis l'infirmerie. J'embauche au moins deux médecins et embaucher un psychologue nécessite un bureau. Enfin bref, je pense que l'infirmerie, je vais la faire ici. Juste en face des douches et du réfectoire. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir commencer à aller voir. Alors, on va remettre en foin. Alors, une petite infirmerie. Oh, un petit AFK. Donc, me revoilà. Une petite infirmerie, donc. Bureau. Alors, là, l'infirmerie, elle est où? J'ai besoin d'un médecin. Et comment je mets une infirmerie si j'ai pas de médecin? Alors, administration, médecin. Bon ben voilà. Donc, il faut que j'attende pour l'instant. Bon ben, je continue à faire passer le temps, hein. Ah. On va voir les premiers détenus. Comment ça se passe? Ah d'accord, il les amène au fur et à mesure. Ok. Hop là. Donc là, vous voyez, en fait... Les gardiens envoient donc en prison, envoient en prison donc les, enfin envoient en prison, mais dans leur cellule les prisonniers au fur et à mesure de la journée. Là il est midi donc ça va être l'heure de bouffer pour eux. Là c'est une sorte de brouillard de guerre, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas de garde ou d'employés qui se passent par là. Je n'aurai aucun moyen. Je n'aurai aucun moyen de savoir ce qui se passe ici. Hop là, donc, si je veux savoir, il suffit de l'envoyer. Voilà. Sinon, sans ça, je ne sais pas ce qui se passe.
Et là, ils ont faim. Donc le garde va venir les ouvrir. Hop là. Ouais, bon, j'ai fait une erreur ici. Et faut pas que je puisse laisser passer là. Oula. Oula. Petit souci là. Ouais, j'ai des petits soucis de gestion. Faut que je dégage cette porte ici. Alors regardez. On va mettre en pause. Un peu là. Matériaux. Voilà. Je dégage. Je dégage ici aussi. Je les enferme, tout simplement. Oh, petit lag. Je les enferme aussi ici. Hop là. Une dernière chose. Je vais aussi les enfermer ici. Par contre, je vais y mettre une porte de prison ici, et donc en fait les prisonniers n'auront vraiment que cette zone de base. Et ici, je vais remplacer cette porte. Alors, démonter l'objet. Hop là, que je vais remplacer par une porte de prison. Donc là, il faut que je renvoie le temps. Hop là. Voilà. C'est peut-être un peu compliqué quand même. Je vais pas accepter plus de détenus pour le moment. J'ai pas accepté plus de détenus pour le moment. Je vais finir de faire de gérer ma prison. Hop là. J'ai un souci. Hop là. Pourquoi je peux pas la démonter? Je demandais à la démonter celle-là. Il y a encore pas mal de bugs. Ouais, d'accord, du coup j'ai gagné
peu plus. Donc là, est-ce que je peux avoir une comptable? Ah, parfait. Oh putain. C'est nul ça aussi. Je me fais avoir plein de fois. On vire et on vire. Allez, chut. Alors maintenant, il faudrait que je fasse. Il faudrait que je fasse l'infirmerie. Que je vais placer ici. Il me faut un medical bed. Un lit médical. Alors. Et un psychologue. Et donc ça par contre ça se débloque. Voilà, on va le débloquer tranquille. Hop là. Ah, j'ai pas vu. Pour l'instant, je suis en plus. Combien il voulait m'envoyer de détenus? Hop là, bon. J'ai pas de médecin employé. Je vais peut-être me prendre un médecin. Voilà. Et donc. Bon. Ce que je comprends pas par contre. Je mette un deuxième médecin. Voilà. Ce que je comprends pas par contre, c'est les portes du coup, elles sont mal choisies. Faudrait pas que je mette. D'or des sélections. Je comprends pas trop. Enfin bref. Employé exténué, un employé? Celle de personnel. Ok. Ok. Donc, ça change pas qu'il faut que je fasse une salle du personnel. Et où la salle de personnel? Voilà. Que je vais en faire une par là. Moi. Hein. Oui.
Comme ça, j'aime bien. Objet. Petite porte employée. Je comprends pas pourquoi par contre. Ouais, il y a des trucs que je comprends pas encore tout à fait. Ouais. Je vais prendre un employé. Je vais mettre un gardien ici. Oh, c'est bizarre ça. Il va aller où? Il se débrouille automatiquement, c'est-à-dire qu'il y en a un qui surveille toujours le quai de livraison. Oui, c'est l'heure qui se barre, lui. Ok. J'ai plus que. Ok, bon bah tant mieux pour lui après tout. Qu'est-ce qu'il faut que je. Ah oui, j'avais dit une salle de repos. Hop là, et. Service que j'envoie l'électricité. Hop là, qu'est-ce qu'il faut? Un sofa chair double et un drink machine. Un sofa chair double, donc c'est un canapé. Et une machine à café. Voilà. Hop là. Bon après je pense que je vais m'arrêter. Voilà. Moi, je comprends pas, je dois sûrement censer les soigner, mais chemin. Bon. Comprends pas tout.
Hop là. Je vais finir, faut que je finisse d'embaucher un psychologue. Psychologue. Voilà. Et pour le psychologue, il lui faut bureau. Je vais en faire un truc là. Moi. Il faut quoi pour le bureau du psychologue? Au moins une 4x4. On va faire des fondations. Alors ça fait 1, 2, 3. 3. J'ai fait une connerie, je vais démanteler ça, vendre cet objet. Et je vais y mettre une... Hop là. Le psychologue. Hop, alors on va mettre ça. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop là. Et je mets une porte. Ici. J'envoie matériaux dans salle bureau. Hop là. Et je mets un bureau aussi. Office desk, chair, filing cabinet. Tiroir de classement. Il me faut une porte. Je vais y arriver. Il est tard pour moi, c'est peut-être pour ça aussi. Porte de bureau. Je dirais qu'il faut ça aussi. Hop là. Une chaise. Et derrière, il faut aussi une chaise au détenu. On va faire style. Voilà. Voilà. Il y a des trucs que je comprends pas trop à urgence. Enfin bref.
Pourquoi j'ai personne? J'aurais aimé envoyer des gardes dans les cellules à faire des allers-retours, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas. Je comprends pas pourquoi je peux pas les libérer. De nouveau les libérer. Ce que je ferai dans ma prochaine prison, c'est qu'en tout cas je mettrai les douches dans le même endroit. Enfin bref, vous voyez le début d'une prison. Je vois certaines de mes erreurs parce que c'est la première prison que je fais à ce point-là. J'accepterai d'autres prisonniers, mais j'ai une mauvaise gestion de mes unités, de mes employés. Je comprends pas exactement comment tout faire. Lui fait quoi? Débloque le chef qui peut être embauché depuis le menu employé. Le chef vous donne accès à l'écran de déploiement. Niveau de menace. Ah, déploiement, c'est peut-être lui en fait qui me permet de savoir comment déplacer mes unités. Putain, c'est ça. Ah bah c'est ça. Oh putain. Assigne vos employés à certaines zones de votre prison. Putain, je. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Bon, en tout cas, ça a pas mal avancé au moins. C'est plutôt cool. Du coup, moi, je vous souhaite une. Ben, bon tout, en fait. Pourquoi je veux dire une. Non, j'ai changé. Donc, je vous souhaite un bon tout. J'espère en tout cas que vous êtes bien amusé avec cette petite vidéo qui était, bah, comme je découvre le jeu aussi, bah, c'est pas forcément tout le temps très intéressant, mais le plus important, en tout cas, c'est que ça vous plaît. Oh putain, encore un prisonnier. Surtout cassé quoi, j'y crois pas. Que bande d'enculés. Je comprends pas en fait.
que je m'en occupe de cette manière. Ouais, je le savais pas. Voilà, j'ai soigné. Ok. Bon, c'est plutôt une bonne chose, j'ai appris un truc. Oui, d'ailleurs, j'espère que je vous l'ai appris en fait. Du coup, bah, en cliquant sur le médecin, on peut les soigner l'un après l'autre. J'aurais cru qu'ils seraient allés automatiquement à l'infirmerie, mais non en fait. Mais non en fait. Donc, je vous avais déjà souhaité un bon tout, mais je vous le re-souhaite. Et puis, à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement, en espérant que ça vous a plu. Allez, ciao!